Mariana a reçu ses écouteurs Apple en cadeau et aujourd'hui, je vais la surprendre pour une deuxième fois en les transformant en écouteurs beaucoup trop kawaii. Choubidou! Choubidou! Alors, pour faire les écouteurs les plus kawaii au monde, je vais avoir besoin de tout ceci! Oh là 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 là! Je vais avoir beaucoup de choix de perles, de petites figurines. J'en ai même des petites figurines de Hello Kitty, des petites boucles, une glace. Et je crois vraiment que je vais mettre celle-ci parce que Mariana adore tout ce qui est sucré et surtout, elle adore les glaces. Et plein de petits diamants comme ça. Donc, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, si vous voulez vous aussi reproduire les écouteurs trop kawaii que je vais faire avec vous, eh bien, vous allez avoir besoin de ces protecteurs de plastique. Ils sont vraiment faits pour les écouteurs Apple et d'une petite colle comme ça qui fonctionne pour ce qui est en plastique, des petites pinces. Et vous aurez besoin de plein de billes et de breloques comme ça qui sont kawaii et qui sont dans les couleurs que vous voulez faire vos écouteurs. Bon, alors, je vais commencer par trouver les petites perles que je veux mettre sur ces écouteurs. Alors, on sait tous que Mariana adore ce qui est kawaii et ce qui est sucré. Donc, je pense que je vais prioriser les petites sucreries comme ça. Une boucle comme ça. C'est certain que je l'ajoute. Donc, on va faire ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Oh, il y a une petite boucle plus petite ici. Ça pourrait être mignon, ça. Une grosse glace comme ça. C'est cool! Ici, j'ai trouvé des petites breloques que j'avais après un porte-clés. Donc, je pense que je vais juste complètement l'enlever et l'ajouter sur les écouteurs. Donc là, voilà, le tour est joué. C'est comme un bonbon sucré. Vraiment cool. OK. On pourrait mettre cinnamon roll ici, un petit cœur ici. Est-ce qu'on met une boucle? Oh, ça, c'est mignon, je trouve. Ça, c'est vraiment chou. Est-ce que je peux le... Oh, parfait. J'ai ma réponse, je peux l'enlever. Je pourrais mettre ça là. Regardez ce que je viens de trouver. C'est un mini Hello Kitty en forme de bonbon. Mariana va l'adorer, donc c'est certain que je l'ajoute. Je pourrais la mettre ici ou je pourrais la mettre ça là, ça là, comme ça. Ça fait mignon, ça fait mignon. Oh! Regardez le papillon ici. Il est iridescent. Trop cool. Oh, j'ai goût de mettre le papillon. Là, c'est de trouver vraiment l'agencement parfait. Mais je pense que ça, c'est cool. Vraiment trop cool. Et ça, ici, comme ça. Oh, je pense qu'on tient quelque chose, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? OK. Donc, on va commencer par coller nos petites breloques juste comme ça, ici. Et on ajoutera des diamants par la suite. Donc là, oh, c'est nerveuse. J'ai jamais fait ça. J'espère que la colle va bien fonctionner. En tout cas, elle sent vraiment très, très fort. Jusqu'à maintenant, cette vidéo me rappelle beaucoup trop quand j'ai décoré la Stanley en version Stitch. Mariana a halluciné. Elle était tellement contente. Et pour ma part, j'adore faire ce genre de vidéo. Et dites-moi-le en commentaire si vous aussi vous aimez regarder ce genre de vidéo parce que j'ai plein d'autres idées. Alors, abonne-toi! Là, je suis en train de me dire que peut-être que Mariana aimerait beaucoup ce cinnamon roll avec un petit canard. Ça serait vraiment cute. Bon, on va commencer par coller ceux-là. Vous, quand vous décorez des choses à la maison comme ça, quelle couleur vous préférez? Rose kawaii ou bleu stitch? Moi, je suis vraiment mitigée. Je suis pas certaine parce que j'aime vraiment beaucoup les deux. Et Mariana aussi. Mais je pense que Mariana, c'est moitié-moitié pour elle. Vraiment moitié-moitié. OK, donc ça va très très bien pour notre première coque. Maintenant, on continue avec notre deuxième. Oh, c'est vraiment trop chou! Je trouve que, par exemple, il me manque de petites breloques, de petites perles sous le papillon ici, mais sinon, je trouve que c'est vraiment mignon. Alors là, je vais maintenant mettre cinnamon roll juste ici. Je pourrais ajouter plus de petites perles parce que j'ai encore de la place. Ça, c'est mignon, je trouve. C'est une enveloppe à bonbons. Sinon, oh! J'en ai vraiment beaucoup!
dans ce compartiment. Oh là 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 là! Je viens de trouver les plus belles perles. Oh wow! Si j'arrive à les sortir. Oh! Wow! Ok. Un cœur jaune. C'est vraiment trop beau. Rajouter un cœur jaune ici, ça va donner un peu plus de couleur. Ah, c'est sûr que là, il est à côté d'un autre cœur. Donc, peut-être là. Oh my god, Mariana va être tellement contente. Qu'est-ce que j'ai ici, tout le monde? Non. C'est pas vraiment de mon goût. Celui-là, par contre. Des petits gâteaux avec des fleurs. Ça, c'est vraiment trop chou. On va en prendre au moins un. Oh, ça va être trop chou! J'ai même des baguettes de pain. C'est trop drôle. Et voilà. Donc là, jusqu'à maintenant, voici à quoi ressemblent nos coques. Maintenant, j'hésite à ajouter des petits diamants, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. Oh, j'ai cinnamon roll ici. Oh, on pourrait ajouter cinnamon roll. Attendez. Attendez, je viens de trouver quelque chose qui pourrait être vraiment mignon. Un petit cinnamon roll avec un canard. Ok, donc là, je vais ajouter cinnamon roll ici. Chaud. Okay. Et là, on va ajouter des petits diamants comme ça, un peu partout. On va mettre de la bonne colle comme ça, tout va bien coller. Et ça va rester là pour toujours. On ajoute un bris ici. Oh my god, c'est tellement kawaii! Regardez-moi ça, comment c'est mignon! Là, c'est pas encore sec, donc je peux pas les installer tout de suite sur ces AirPods, mais oh my god, c'est tellement mignon! Je vais continuer à ajouter des petites breloques et des diamants et on se retrouve une fois que j'ai 100% terminé. Alors, Mariana, tu peux venir! On est maintenant le lendemain et le DIY que j'ai fait a pu maintenant bien sécher. Donc, c'est maintenant le moment de surprendre Mariana avec... Est-ce qu'elle est nerveuse? Tu peux ouvrir les yeux? Tu peux ouvrir tes yeux? C'est trop belle! Yes! Mission accomplie! Mariana, tu fais ça? Oh my god! C'est trop chou, madame! Si vous voulez que je fasse d'autres DIY comme ça, abonnez-vous et faites un pouce bleu. Et si vous voulez même me dire si ça vous tente que je fasse un iPad trop kawaii comme ça, ça pourrait être vraiment trop cool. Alors, n'hésite pas à commenter. Alors, c'était mes